مليح عليك يا موسى صايب. نصر سنجاك الى غوريك وقيد سليمان رحو السبو ساقي اللي تي ان جوور يعد ليكس انترناسيونال اللي تربع في الجزائر ومن بعد يعد تربع في لاجيسكا تا سنتر بويا يثمر في الجزائر ولا سيس صيف وتا سنتر بويا السبو ساقي يسوجا دي مانيس يوكنا دي يوغال غاس الغماي اين لا غرزات نصر الى فيرتوال دي نوازي لو سيك اللي توجور دون ليفيكتيف. C'est un bosseur aussi, et c'est quelqu'un qui veut y aller loin. Pourquoi pas devenir un coach, un entraîneur comme toi, comme elle a été. Non, il prépare la place. Il prépare la bofille. Il prépare quoi? Il prépare prendre la place à Nasser. Les anciens, tu vas prendre le relais. Ouais, la suite. Il faut toujours partir. عندنا تبع الروبورتاج هكايا لا فورماسيون هذاك خدم هذاك خاطر اش بي ار بي عندنا نهضروا بعد في الفلاسي جوست مادن ولا الروبورتاج ذاك ندخل فيها في موسم الجزائر سمانه يوسم الدور سنه في الدوار شحال خدمن ذاك تو ذاك كان ان اكزامان يا بوكو تشوز ذاك كورن عطاشي مجموعه اكزاكت هذا هو اللي راه هي مو سي سكو جو لور دي اون بلاد لي ساج كيل فو اي فو ميو دوني Au lieu de faire déranger les gens, venir pour une semaine, tu lui donnes le cas. Vaut mieux lui donner. Ici, tu connais mieux que moi la salle de stage, pour avoir... C'est dur, c'est vraiment dur. C'est du sérieux quoi, c'est une, pas vraiment, si année, tu bosses, il n'y a pas de problème. Une année, deux ans, ouais. Trois ans, pour, et ainsi de suite. Avec, vous connaissez, c'est mort, c'est une semaine, je suis à CAF A, deuxième semaine, CAF B. Ah mais vaut mieux, c'est une safka dans la chère, c'est exactement ça. Ah non, ça, t'apprends quoi en une semaine, c'est, je comprends pas, c'est du bricolage. Pour montrer comme qu'on est en train de sortir des entraîneurs. Arrêtez, ça de la poudre aux yeux que vous jetez. Ça, c'est des stages de pipeau, ça. Stages de n'importe quoi, là, de Sadé. Oui, tout à fait. Donc, nous allons reportager où que le cinéma n'a rien de fait. Et qu'il y a un stage de formation. Du moins, il est appelé à devenir un futur entraîneur à RZF. C'est le début. Le début, hein. C'est le début, non? Bien sûr, bien sûr. Le chemin, il est encore long. Voilà. هذا هو اللي روبورتاج هكا هذا هو اللي عندك غير بلاتو لوك سليمان راحو سك ميورير اهلا وسهلا معايا هنا لا امرو تورقت ذيك فاسنيس ثموغليس اذ قريت من بعيد سياقي قفذو مشواري الناس ثو دارثين سماينوث يا مراها تزكا هذه لي ذوك مكانكي هذا سلاغماي هذه باش طحاقي غاينا لها Elle se replace derrière là, soit la ligne blanche ou la ligne jaune. Ouais, ouais. Les tableaux, elles servent à quoi d'aller. Ah, ouais, d'accord. Zone sur les côtés après. Il y en a sur les côtés. Deux touches. J'ai de la chance de faire partie de ce groupe des joueurs pro. Donc, c'est une formation B, c'est une formation de haut niveau. Voilà, haut niveau, ça sera bénéfique pour moi dans l'avenir. Donc on est encadré par des formateurs professionnels, donc des formateurs qui ont de l'expérience. Donc parmi eux, il y a Nasser Sinjab. Je vais dire une chose, ça fait 3 ans que Slimane est en formation, plus de 3 ans. Il a commencé par tous les petits diplômes fédéraux et là aujourd'hui il commence à attaquer les diplômes de très haut niveau. Et son parcours pour moi est un exemple. Il devient même un exemple pour l'Algérie parce qu'il aurait pu tranquillement s'arrêter et faire autre chose. Il a envie de redonner ça à la jeunesse algérienne. Il sait aujourd'hui que la formation, les contenus de la formation sont très très importants. Aujourd'hui, il le vit. Il a sorti des dossiers, il a 6 mémoires à sortir. Il a un travail phénoménal, tu as pu le voir auprès de tous les joueurs. Moi, je tire mon chapeau pour son courage et le fait qu'il a envie d'apprendre. Mais de toute façon, les grands joueurs, normalement, deviennent aussi des grands coachs aussi. Comme eux, j'ai commencé ma formation du BEF. Donc, je trouve que l'initiative de la Ligue de Paris est très importante. Permettre à des anciens joueurs de faire leur formation pour devenir des futurs coachs. Après le niveau, c'est l'avenir qui le dira, mais il faut commencer par les fondations. Et c'est vrai que moi, j'ai été content à travers ce diplôme de BEF de le faire, ce qui m'a permis après de faire le BE2 et d'enchaîner avec le BEPF pour avoir le diplôme pour être aujourd'hui sélectionneur d'équipe de France des moins de 17 ans. Dessoussem, Dem Sahi, Irnou, Yahdara Ratas,
يظهر نيس دي القاعدة نيتساوي يظهر هذا شو إذا يخدم يمر هذا الزكاة أذ يغال هذا السلغ ما يمقران أذ يسلمذ إي مشطح أين يكن إذا قلمذ أنت اسمي قل هذا ميورير ذا قيل الشعاع للكلفين سوى كان ذي يغال هذا السلغ ماي ما تشيكان وراحة تداوير إلا قد تعتفض أتسكارو ستن صباح زيك زيك Ils ont cette semaine avec une semaine d'examen en plus. Et c'est tous les jours de 6h du matin, 7h du matin à 22h le soir. Avec un contenu, un travail à faire de très haut niveau, c'est pas n'importe quoi. La formation c'est très important parce qu'aujourd'hui, moi je suis un produit de la formation, j'ai été à Auxerre. J'ai créé cette académie, je suis avec l'équipe de France des moins de 17 ans. Donc de travailler avec les jeunes, ça me parle. Et je pense que c'est nécessaire de les accompagner sur leur projet de vie, leur projet sportif. Et donc pour ça, il faut aller faire les formations, il faut se former. Ouais. Et si on a eu pendant toute notre carrière, on va dire, on a travaillé sur l'empirique, mm-hmm. donc on a une expérience. Mais après, c'est bon d'aller chercher des savoirs. Et je pense que la formation vous permet de progresser et de faire le parallèle avec ce que vous avez pu vivre pendant votre carrière. Ah oui, ça motive. Slimane va prendre ce que j'ai de bon, lui il va construire son propre projet, mais quand tu as le parcours, sa vie, ouais. qu'il a fait de joueur, ouais. tu te rends compte qu'il va s'arrêter, il va rien faire. Et toute notre jeunesse qui est en Algérie qui attend que ça, qui vienne prendre en main. Mais alors, le problème c'est que c'est son expérience, il va la cadrer, il est formé, maintenant il est prêt, il peut s'attaquer à des équipes nationales de 15, 16, 17, 19 ans, et je suis sûr qu'il va être capable. T'as l'espoir à Slimane un jour d'entraîner une équipe. C'est ton espoir, c'est ton rêve. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi je suis là, donc voilà. Pour prendre le relais, c'est ça. Hein. J'étais joueur, donc maintenant c'est bon, il faut oublier. Carrière de joueur, c'est bon. Hein. C'est dur le métier d'entraîneur. Mais finalement. L'exemple. Donc espérons bien un jour Nasser. Il va servir d'exemple justement. Bien sûr. Bah, d'entraîner des équipes, premières équipes là-bas. Mais en Algérie, tout ça. Pas ici, c'est en France. Inch'Allah, mais non, moi je veux que s'occupe de la jeunesse chez nous parce qu'elle a besoin de ces garçons-là. Mmh. Mais lui, il a besoin de cette formation-là pour amener les compétences là-bas. Et là, le jeu, il est là aujourd'hui. Et il sait aujourd'hui, la formation maintenant, il est formé. Il a entraîné chez moi depuis 3 ans. Il est aujourd'hui joueur, il va être éducateur, entraîneur. Et bien, je vais dire, il va devenir un modèle, j'espère qu'il va devenir un modèle pour l'Algérie. Mais il faut être sérieux, c'est tout. On est sérieux, mais juste, c'est grâce à ça. Hein. Ouais. Aussi, je suis là, donc voilà, donc il m'a poussé de faire cette formation. Formation, ouais. Voilà, donc je suis à fond. À Gournadan, à Chhalé, Githoura, il est grand de Gualri, si Wakin, Azkia. الذي يسعون الشعاع يقيل الذي يغال ذا سلغمي أزكى مثوال أمث سليمان رحو ذا سلغمي ذي ثموث إلى قارع هذا تشوكم نغادة وهم السليم كان يخلال با فوالا وقع فين يعني سليمان رحو في البروفي دونترينوري هي يوكنا ذي يغال ذا سلغمي C'est très important, Nasser, de faire ce passage, faire cette formation et d'offrir son expérience en tant que joueur. Moussa Smile d'Amiur, beaucoup plus, c'est plus facile pour un joueur professionnel pour devenir entraîneur. On les voit avec Zizou, Laurent Blanc. C'est le haut niveau, mais avant de parler du très très haut niveau, il faut parler de la formation qu'il y a chez les jeunes. Et donc les entraîneurs et les joueurs comme ça qui ont des grands vécus de joueurs, qu'on arrive à faire la bascule pour la formation, pour devenir entraîneur, il faut des vrais contenus. Tous les pays au monde l'ont fait. C'est pour ça que l'Espagne, l'Allemagne, la France sont toujours là-haut. Nous, en Algérie, jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte le fait, la Tunisie le fait, le Maroc le fait depuis 10 ans. Et on voit les résultats dans les clubs marocains aujourd'hui. Regarde, les clubs n'oublie pas que le Raja Casablanca a battu le TP Mazembe il n'y a pas longtemps, là, avec les joueurs locaux. Hein. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est mis en place. Nous, tu as dit Moussa, c'est pas moi. Je ne sais même pas comment c'était le stage. Ils viennent 3 jours, on leur donne un diplôme. Là, il faut un an. Là, plus d'un an. 15 jours de formation par mois.
Ils sont là du matin et avec des contenus de top niveau. Et moi, je sais, je veux le dire devant les gens, qu'il y a des gens d'Alger qui appellent. Et il y a des examens écrits après, ah à oui, la fin. Ah oui, 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 il y a des examens, il y a des projets, il y a des dossiers, tu as des mémoires, tu as six mémoires à ramener. À présenter. À présenter et à soutenir. Et à soutenir. Il y a des contenus à l'intérieur et après, les garçons, quand ils sont pros, après, il y a leur parcours. Tu as envie d'être à haut niveau, tu peux aller faire de la formation, t'occuper des jeunes, tu peux. Mais si tu n'as pas ce niveau de contenu, tu ne peux pas former des joueurs pour le haut niveau. C'est impossible. Ou tu le fais à l'ancienne. Tu lances le ballon, tu fais un six et tu parles avec les journalistes. Tu parles avec les journalistes. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce garçon, Yannis Slimane? Mais là, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup bossé. Moi, j'ai essayé de lui apporter ce que je pouvais, mais je l'ai laissé travailler. Il a bossé. Moi, je l'ai vu, moi, souvent, au stade, avec son ordinateur, travailler, bosser, construire ses séances, apprendre. C'est lui qui sait faire. Et il avait envie. Il avait envie vraiment de le faire. Vraiment, il avait envie. Après, maintenant, il a le contenu. Il a eu le diplôme. Et ça fait que, alhamdoulilah, maintenant, s'il veut continuer, continue. Après, le niveau au-dessus, ça va demander encore autre chose. Mais il a compris, maintenant, il sait, lui. Lui, il devient l'ambassadeur de tout le discours qu'on tient aujourd'hui en Algérie pour expliquer que pour être entraîneur, il faut passer par ça obligatoirement. Exactement. Et si tu n'as pas ça, tu n'existes pas pour moi. Et on attend que ça se passe chez nous. C'est bon. Et Moussa, il est timide pour qu'il parle, là, franchement. Il est vraiment timide. Il ne voulait pas vrai. Moussa, Slimane, ouais. Ah non, je le connais mal. Non, non, pour cette. Pour, je le connais très bien. Il était un peu pour sérieux. Pour ce sujet, ouais. Pour ce sujet, sérieux, il était un petit peu timide. Il était un peu sérieux, là, donc. Non, sincèrement, ce qu'il fait, c'est chapeau. Hein. Donc, moi, il a très, très bien réfléchi. Il est conseillé par Nasser aussi. Hein. Il ne faut pas le cacher. Il s'est installé ici. Donc, il pouvait le passer en Algérie comme tout le monde. Il n'a pas voulu. Voilà. Moi, je sais. Ouais. En 3-4 jours, je sais qu'il va avoir des facilités comme tous les anciens joueurs de l'équipe nationale. Mais lui, il a préféré. Il a dit, voilà, moi, je préfère commencer par la base et monter crescendo, quoi, doucement, doucement. Et même ça, est-ce que je vais t'expliquer, tu as raison. Là-bas, on fait croire que c'est le diplôme. Et moi, je dis, c'est le contenu du diplôme qui t'amène, qui te fait ton métier. Le diplôme, on n'en a rien à faire. C'est le contenu de ta formation. Le diplôme, c'est une feuille. Voilà. Mais la formation, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu prends l'équipe, tu vas mettre ton diplôme? C'est ton travail qui va être là. Comme toi, toi, tu as l'expérience. Ou normalement, bon, toi, on sera un autre camp, on va régler plus tard. Mais le contenu, il est là. Il n'y a plus qu'à les former pour recadrer, pour devenir. Ce que fait Zidane là, ce que fait les autres, parce qu'ils ont envie, ils ont vraiment envie. Ouais. Maintenant, après moi, Zidane, je pense qu'à un moment, il l'arrêtera, parce que, bref, notamment, ça va jouer sur la santé mentale et la santé physique, ça peut jouer beaucoup, je pense qu'il l'arrêtera. Mais pour des garçons comme toi, des garçons qui ont un vrai parcours européen en Algérie, l'Algérie a besoin de toi, pour qu'on puisse aller former des jeunes qu'on a chez nous, pour en faire des vrais joueurs, parce qu'on voit le pseudo connerie qu'on entend tous les jours, là, c'est à mourir de rire. Et jusqu'à quand on n'entend que ça? Il y a Mahrez qui est informé là, et tout le monde l'a pris en Algérie. Tout le monde l'a récupéré, c'est pour nous. Voilà, juste un deal avec Slimane, parce qu'il me l'a dit, la prochaine fois je vais te faire les déclarations en Kabyle. Donc là, c'est un défi aussi. Et là, il a appris le Kabyle, j'espère. Ah oui, bien sûr, mais prochainement il va le faire en Kabyle. C'est un plaisir. Slimane Arahou.